Et salut à tous les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les figurines de collection peintes à la main super-héros des films Marvel Eagle Moss. Aujourd'hui, c'est la numéro 7. Et aujourd'hui, on s'attaque à Star-Lord de l'univers des Gardiens de la Galaxie. Présentation et ouverture tout de suite. Donc, on commence par le livre donc sur Star-Lord. On a derrière là l'affiche des Gardiens de la Galaxie. Donc je rappelle, les Gardiens de la Galaxie sortis en 2014, réalisé par James Gunn avec Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper et Vin Diesel pour Groot et Rocket. Donc, comme chaque figurine de cette série, on a droit aux personnages, à l'acteur, aux coulisses et à l'heure de gloire. Ici, on a plusieurs visuels de la figurine de Star-Lord. Et voilà une image de Star-Lord. Je rappelle que ce film est parti de rien et en a fait un des plus gros succès de Marvel. Donc, hormis les Avengers, évidemment. Et a fait de Chris Pratt une vedette mondiale, vu qu'il est maintenant à l'affiche de Jurassic World 1 et 2. Et de Passenger, donc, et bien sûr, des Gardiens de la Galaxie. Excusez-moi, des Gardiens de la Galaxie 2 et d'Avengers Infinity War, suivi d'Avengers 4. Donc, grande carrière qui s'annonce pour lui. Voilà, si je fais quelques erreurs, je tiens à m'excuser. Il fait nuit, je suis très fatigué. Donc, excusez-moi encore. Donc, et voilà la figurine de Star-Lord. Ouverture tout de suite. Certificat d'authenticité. Et voilà la figurine de Star-Lord. Donc, pour moi, c'est pas une réussite totale. On ne reconnaît pas trop la tête. Ça ressemble à un autre acteur que Chris Pratt. J'avoue, c'est un peu dommage. Sinon, la carrure, les pistolets ici. Tout est bien dans cette figurine. C'est vrai qu'à part peut-être si vous la prenez dans cet angle, on ne reconnaît pas comme ça que c'est Chris Pratt. On dirait presque qu'il louche avec les yeux. C'est un peu dommage. Sinon, la figurine, je rappelle, évidemment, je crache pas dessus. Elle est très très belle et ça m'empêche pas d'aimer cette figurine, même si elle ne ressemble pas à Chris Pratt, mais plutôt à Star-Lord. Donc, c'est quand même une très belle figurine avec ici l'emblème de la cohorte de Nova Marvel ici. Donc, voilà pour cette figurine de Chris Pratt en Star-Lord. Qu'est-ce qui nous attendra dans 2 semaines? Dans 2 semaines, on sera dans l'univers de Captain America avec Crâne Rouge, l'ennemi juré de Captain America, donc qui est l'ennemi juré de Captain America dans le film Captain America, The First Avengers, donc Crâne Rouge joué par Hugo Weaving. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez des j'aime, des commentaires et abonnez-vous à dans 2 semaines.